Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur le Sphere et on va essayer de faire tomber la nuit. C'est parti. Oui les amis, on va tout faire pour essayer de faire tomber la nuit sur ce monde qui n'en a plus. Oui, et pour cela, il va falloir faire apparaître une tour qui date de l'époque des cuirassés, ce fameux peuple de guerriers mécanisés dont Obaro fait partie. Donc c'est parti les amis, on retourne à la caverne des Séléniens et on va affronter leurs guerrières. C'est parti. Hey les amis, on est de nouveau sur le Sphere. Et vous vous rappelez, on est dans le repère des Séléniens. C'est cette civilisation qui est un peu à l'image des cuirassés. Hein. Les cuirassés, c'est une civilisation disparue, cachée aux yeux des humains, hein, comme notre cher ami Rook, hein, là, avec son bâton. Et les Séléniens, par contre, sont un peuple qui se cache parce que ils vivent en harmonie avec les monstres. Et les monstres, on le sait, sont pour... je parle pour l'Empire, hein, sont les premiers à causer cette fameuse... on va dire ce problème que le monde subit. C'est-à-dire que quand il y a l'espèce de nuage, hein, l'image blanche qui apparaît pour faire disparaître les choses. Cela viendrait donc des monstres, de la part de l'Empire. Bon, est-ce que l'Empire a raison, est-ce qu'il a tort, on ne sait pas. Et on va découvrir ça, je pense, tout de suite, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui est haut placé chez les Séléniens. Ah. Donc, Aronius, je te tiens, alors c'est toi, Soda. Ah, Soda. Hein, tu vois, nous avons fait tout ce chemin pour te capturer. Soda, vous êtes de l'Empire ? Je suis le général Aronius en personne, certains m'appellent la Tornade. Ce n'est pas ce que je demandais. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas juste, on avait un accord. Ah, un accord de quoi parles-tu? Oh, on avait un accord avec l'armée impériale? Cesse de jacasser, je ne sais pas de quoi tu parles, mais les ordres de Zemrod étaient très clairs. Je dois capturer tous les Séléniens. Attendez, écoutez-moi. Je ne vais pas perdre mon temps à t'écouter, Vaurien. Un lâche qui utilise des monstres provoque les disparitions et ruine des vies. Voilà, les amis, c'est ce que je vous disais. En fait, l'Empire pense que cela vient, donc, entre partie des Séléniens, puisqu'ils vivent avec les monstres. Mais voilà, ils pensent que la cause de ces disparitions vient directement des monstres que les Séléniens utilisent. Parce qu'ils utilisent pas forcément pour faire le mal, pas forcément tout ça. D'une part, ils utilisent pour se protéger, et d'autre part, ils vivent avec eux. Ah! Donc on va savoir un peu plus de ce qui se passe là-dedans, parce que cet homme est leur chef d'après lui. Ne le laissez pas s'échapper, d'accord. Bon. Ça, c'est une première chose. Est-ce que l'Empire, comme je le disais, est-ce que l'Empire a raison? Je ne pense pas que l'Empire ait véritablement raison. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où tout ne se passe pas vraiment comme on l'aurait souhaité. Hein, tu le vois bien, c'est pas du tout ce qu'on espérait dans le jeu. Donc, je pense qu'on est du mauvais camp. Ouais, je pense qu'on est vraiment du mauvais côté. Et comme tu as pu le voir, entre l'Empire et les Séléniens, il n'y a pas photo. Moi, j'aurais choisi les Séléniens immédiatement. Parce que je pense que c'est un peuple... Bah, regarde, ils sont déjà bien sympathiques. Ils sont pas méchants. Enfin, du moins, ils ont pas l'air. Ils sont assez... Comment je pourrais expliquer ça? Ils ont l'air assez... Enfin, c'est peut-être bizarre que ce que je dis, mais ils ont l'air assez peureux, tu vois, en face de l'Empire. Donc je pense que... Et en plus, d'après ce qu'on a compris, Soda avait un accord avec l'Empire. Qu'est-ce que veut dire cet accord? Moi, j'aimerais bien savoir ce que veut dire cet accord. Est-ce que c'était un accord de...
peut dire, de protection, un accord pacifique, dans ce qu'ils, où, voilà, s'ils restent de leur côté, on fait rien. Enfin, il y a un truc derrière, il y a un truc louche. On ne sait pas quoi, mais on va le savoir. On va le savoir, les amis, ça va être, je pense, très 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 vite. Donc, on va essayer de capturer... laisse ma femme et mes enfants tranquilles, capturer. Bah, si on capture, on nous a demandé de les capturer, on va les capturer. Même si... Ah oui, c'est vrai. D'accord. Allez. Hop. Oh, ça déchire. Enfin, franchement, je kiffe, moi. Je kiffe cette particularité qu'a ce jeu, c'est de nous faire combattre. Oh! Avec Gérard, non! Avec des mechas. Oula, ça va être un boss. C'est pas le moment de se battre. Entre nous, si je me souviens bien, c'est le boss. Oui, parce que j'avais fait la démo, je vous l'avais dit. Je savais que quelque chose clochait. Qu'est-ce que tu fabriquais dans notre dos? Parle, quel est ton accord avec l'Empire? Pourquoi nous ont-ils attaqué? Comment veux-tu que je sache? J'ai juste fait ce que je croyais bon pour notre peuple. Bon, si tu me parles pas, je te tire cette flèche en plein cœur. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, c'est vraiment... c'est typique. Typique du retournement de situation. Mais les soldats de l'armée impériale, tu es notre prêtresse guerrière, tu peux les battre, hein. Si tu ne le fais pas, tous ceux que tu aimes pourront en prison. Ah, Soda, c'est une flippette, apparemment. Soda, espèce de... Quoi? Espèce de quoi? Je poursuis le chef, je vous laisse nous occuper de ça. Ok, donc toi Galdra, donc on se retrouve à nouveau à 4 avec Lumina. Bah oui, ajoute tes membres. Au barreau. Ah, moi c'est au barreau. Au barreau me fait kiffer. Hein. Ah ouais, mais grave, moi je kiffe. Je kiffe. Ne résiste pas s'il te plaît, tu peux pas juste te rendre. On veut pas te faire de mal. Vous l'Empire, vous allez tous payer pour avoir profané Raid. Ce lieu sacré, elle est pas d'humeur, elle. Elle est pas d'humeur, les amis. On dirait bien qu'il va falloir combattre. Tenez-vous prêts. Ok, les gars. On va attaquer, on va attaquer. Attends, c'est quoi? Ah, oula. On a des ennemis très vilains. Hein? Fungor, je vais essayer de m'occuper des Fungor, déjà. Compétence Fungor, ouais. Non. Si, je perds compétence cible laser. Est-ce que je peux faire les trois? Non, je peux pas faire les trois. Est-ce que je... Comment on fait pour... Ah, voilà. Si je veux... Non, ça va pas. Si je veux utiliser les trois, si je veux toucher les trois. Ouais, je touche les trois. C'est bon. Crac. Voilà. Lumina. Lumina va taper le Fungor. Après, on n'a plus qu'à s'occuper bah, de... Comment ça s'appelle déjà? Sheila, Sheila. Attaque qui est plutôt à devant le tir, action la rage du feu ardent. Tu auras donc tape de l'eau au cible d'une ligne droite. Ah, il y en a fait apparaître un ou quoi? J'ai pas vu, mince. Bon, attaque. On va se mettre comme ça, hop. Ah, j'ai activé le momentum. Élimination, momentum. Compétence, aérolame, on peut pas. Hop. Hop, ça aussi, ça s'est fait. Hop, ça s'est fait aussi. Je pense que je vais tenter le... Compétence, c'est ce que... Ah, c'est ici. T'as dit non, dis donc. Oh là, oh là, bah, nous a fait mal, en fait. J'ai pas fait attention à ça, attends. Attends. Objet, potion, hop. Kanata, compétence, aérolame. Bien joué, éclair. Ah bah c'est bon, on l'a battu. On a eu de la chance. Bananose. Bon, bien joué. J'ai pas fait attention à mes personnages, tu vois, juste avant. J'aurais dû vraiment vérifier bah, les HP de mes persos, les MP, voir si on était vraiment dans le faiblard ou pas, tu vois. Mais bon, ça s'est bien passé. Je suis pas ridicule, je peux encore me battre. Les Séléniens ne perdront pas face à ceux de votre espèce. Donc ce sont pas des humains, apparemment, tu vois. Elle a déclaré, elle a utilisé le mot espèce. Ça veut dire qu'en fait, on est,
on est différent d'eux. C'est pas un peu trop pour une petite fille? Vous avez volé toute la thérémite de la montagne. Bande d'idiots, vous n'avez pas idée du danger que ça représente. L'Empire a volé de la thérémite. Jamais, jamais je ne pardonnerai à l'Empire. Le chef Soda s'est échappé. Il servit des femmes et des enfants de son propre peuple. Comme bouclier, nous avons eu d'autre choix que de le laisser partir. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il... Soda! Alors, elle est vénère. Elle va lui casser la bouche. On dirait que le chef des Séléniens n'était rien d'autre qu'un lâche. Elle va casser des bouchées. Pourquoi on s'en va? Déjà? Bon, on n'est pas resté bien longtemps, hein. Bah, c'est pas grave. Ça, c'est rien, c'est peanuts. C'est peanuts, les amis, c'est peanuts. Bon. Bah, vu comment on avance bien sur l'Osphere, je pense que... Donc tu es cher à un et les autres pour appeler la dernière prêtresse guerrière. Je pense qu'on va risquer de retourner donc, à l'Empire, donc la fameuse grande ville. Mais je pense qu'on va pas rester avec eux. C'est pas possible qu'on est trop en contradiction avec l'esprit de l'Empire. On l'a bien vu dès le début. Van n'arrête pas de chambrer les généraux et ainsi de suite. Quand t'as Lumina, tu vois qu'il commence déjà à dire « Ouais, mais non, on va pas faire ça, c'est pas bien, tu vois. » Alors, combien de Séléniens vous avez capturé, gamin? Donc, vous avez capturé 4 Séléniens. Excellent. Vous pouvez prendre ce que mes bons Ariens de soldats n'ont pas réussi à gagner. Voilà votre récompense. Ouh, c'est lourd. C'est quoi, ça? 2000 G. Bien, bien, mon gars. La capitale et ses belles boutiques nous attendent avec impatience. Belle boutique. Qu'est-ce que vous attendez? En avant, au trot. Gauche, droite, gauche. Ah, lui, il est chaud. Gauche. Tu crois qu'on a bien agi, Kanata? Moi, je dis que non, les amis. Je dis que non. C'est pas bien. Mais je voulais voir ce que ça faisait. Bon, après, on a vu maintenant. On sait que c'est pas... C'est pas ouf non plus, tu vois. 28. Attends, je vais sauvegarder. 28 PE, donc il va falloir que j'aille pioncer. Ah, mais il est... me dis pas que... Équipe, me dis pas qu'il est là. Me dis pas qu'il est avec nous. Mais s'il est avec nous, Galdra. Pa. Et s'il est avec nous, là, je me fais une équipe Oparo, Van, Galdra. Galdra, c'est un corps à corps, hein, donc... Ça va péter des bouches vite fait, bien fait. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai cru qu'il y avait un coffre. Ah, Galdra, il est chaud, lui. Ah non, bah, c'est pas là. Et j'ai vu qu'on pouvait changer de perso, donc changer de meneur. Donc en fait, il suffit de mettre le personnage que l'on veut en tant que meneur dans la première ligne, tout en haut. Donc là, c'est la prison. Et on va devoir aller à la prison, les amis. Qu'est-ce qui va arriver aux Séléniens qu'on a attrapés? Ils vont probablement être interrogés pendant plusieurs jours. Ensuite, j'imagine que l'Empereur décidera de leur sort. Ça pue, ça. Ça pue grave. Nous devrions retourner au palais. Le seigneur Zemrod doit être impatient d'entendre notre rapport. Ouais, moi, je suis pas spécialement impatient de voir Zemrod. Hein. Ah, ouais. Bon, hop, demi-tour. On va au palais. On va aller voir ce que Zemrod a à nous dire. Même si je suis persuadé qu'il va nous féliciter. Là, Zemrod reste je suis bête. Là, je suis au quartier général. Persuadé que c'était là qu'il fallait que j'aille, mais non. Non, du tout, les amis, du tout. Il faut aller au palais impérial. C'est l'espèce de grand bâtisse qui est en plein centre de la ville. Et on y va. Il faut y aller, les amis, et on n'a pas le choix. Le déroulement de l'histoire va se faire, j'imagine, par le sauvetage. J'adore le mot sauvetage. J'ai l'impression de l'avoir dit pendant tellement longtemps grâce à Pokémon Donjon Mystère, que je vous invite à aller voir dans mes vidéos, puisque la playlist répertorie l'histoire de Pokémon Donjon Mystère. Donc, sauvetage des Séléniens. Hein, des Séléniens. Je suis persuadé qu'on va devoir se faire sauveur, se faire justice nous-mêmes, parce que
Je pense pas que les Seigneurs vont venir aider leurs compatriotes. Je pense pas. Hein. Je pense que ça va être à nous. On va se sentir mal. On va se sentir mal en toute franchise. On va se sentir mal. Je le sens comme ça. Hein. On va se sentir mal d'avoir capturé les Seigneurs, puis on va devoir justement aller les sauver. On va devoir aller les sauver. Bah parce que voilà, c'est pas normal que l'Empire collecte des Séléniens, parce qu'ils ont collecté des Séléniens. Ah oui, c'est une collecte. On dirait qu'ils jouent à Pokémon, justement. Capturer les Séléniens. Voilà. Ouais, ce jeu, c'est... Ah là 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 là. Ce jeu. Ah oui, leur fameux œuf de Fabergé géant. Ah ouais, mon gars. On se croirait dans Ocean 12. Oui, justement, parce que dans Ocean 12, ils essaient de voler un œuf de Fabergé. Justement. Alors, Zemrod. Galra, nous sommes heureux d'annoncer que Raid est tombé, Seigneur Zemrod. Très peu de Seigneurs nous ont échappé et nos pertes sont négligeables. Le général Aronius devrait vous donner les détails sous peu. Beau travail, Galra, c'est au-delà de nos espérances. Quant à vous, Kanata et soldats, les soldats, il a oublié le L, ne parlent que de votre courage. C'est rare dans les jeux qu'il y ait des fautes. Là, c'est un oubli d'une lettre. Bon, malheureusement, ça arrive. C'est pas non plus la fin du monde. Seigneur Zemrod, j'ai peur que nous ne finissions pas à temps. Disposez, si vous avez le temps de vous excuser, vous l'avez aussi pour me livrer ce que j'ai demandé. Nous devons absolument éradiquer cette horrible bête de cette île. Quoi, quelle bête? Mais Seigneur Zemrod, il nous faut plus de temps pour stabiliser la Térémite. C'est trop dangereux. C'est dangereux. J'ai dit disposer, ne me faites pas répéter. Désolé. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, à propos de ces recherches, il va nous falloir du temps pour approfondir, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai reçu le rapport, pourquoi ne vous êtes-vous déjà pas? Si j'ai besoin de vous, je prends une tâche à Galra. D'accord, donc enfin, on doit se barrer, quoi. Il nous a gentiment demandé de nous casser de... Quel fin personnage. Bon, rien de tel qu'une bonne journée de travail, nous avons bien mérité un peu de repli. Allez profiter de la ville. Et toi, Galra? Ouais, je vais rester ici et attendre le rapport du général Aronius pour le seigneur Zemrod. Si nous le laissons faire, le général se lancera dans une histoire héroïque à dormir debout. Hein. Galra, est-ce que tu penses qu'on peut aller voir Locke maintenant? Pardonnez-moi, j'aurais dû en parler plus tôt. Locke a encore besoin de repos. Je sais à quel point vous êtes inquiet, mais vous devez faire preuve encore un peu de patience. On comprend. Ah, ça pue, ça. Ça se trouve, il le garde prisonnier. Vous avez été d'une aide précieuse pour l'Empire, et pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Nous promettons de lui prodiguer les meilleurs soins possibles. Donc, s'il vous plaît, profitez d'un peu de repos bien mérité. Ça se trouve, Galra joue un double jeu. C'est gentil, Galra, merci de prendre soin de lui. Tu vois, il est cool avec nous. Je t'en prie, mes hommes vous contacteront quand nous aurons besoin de vous. Il est cool avec nous, mais ça se trouve, c'est un... Tu vois, c'est un double pass. Un double face. Parce que, je sais pas, je sens la quenelle, tu vois. Je te jure, c'est... Il va nous la mettre à l'envers, il va nous la faire à l'envers, et je suis persuadé qu'en fait, derrière tout ça, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Je pense pas que ça soit Zemrod, ou peut-être que c'est Zemrod, mais... C'est un peu tard pour avoir des doutes, tu vois, Kanata. Et puis c'est dans les mains des Apéros, maintenant on peut plus faire rien faire. J'arrête pas de me dire qu'on était du mauvais côté dans cette histoire. Tiens, tu vois, t'as pas cette impression? Ça vous paraît pas bizarre à vous que Zemrod et Shera nous aient raconté deux histoires différentes? Je sais pas pour vous, mais je veux savoir la vérité. Je veux connaître la version des Séléniens. Mais comment on peut leur parler? On sait pas où ils sont revenus. À la prison! Nous savons qu'ils sont revenus quelque part dans la capitale. Il doit bien y avoir quelqu'un dans cette ville qui sait où ils sont. T'as raison, et si on commençait par demander dans la base? Dans la base? Quelle base? Pourquoi on est que trois? Attends, équipe. Équipe. Hop, Lumine. Alors, dans la base, qu'est-ce qu'il parle de base là? Déjà, je pense qu'on va aller. On va aller se coucher. On va aller se coucher, les amis, tu vois. Il ne reste plus que 28. 28 points. Points d'exomec, voilà. Et PE, je pense que c'est point d'exomec.
Et donc je pense qu'il faut qu'on aille dormir un petit peu. On va essayer de dormir un petit peu à l'auberge et puis on ira tout de suite après voir à la prison où peut se cacher les Séléniens. Enfin, ils sont pas cachés. Enfin, je sais pas. Ou alors ils sont cachés et on leur dit pas où ils sont. Ou alors ils sont véritablement en prison et là, aux yeux de tous, quoi. Je sais pas. Ah, pourquoi j'arrive pas? Ah, d'accord. Petite sauvegarde. Ah, ça, c'est dans les RPG, JRPG, enfin, tout ce qui est à base d'RPG. La sauvegarde est ton meilleur ami. Ah oui. Ah oui. T'es pas à l'abri d'un plantage, même si ça devient de plus en plus rare. Alors attends, ça c'est le palais impérial. Ça c'est la base de commandement. Ah, j'ai dit non. Crotte. Demi-tour. On va aller se coucher. Bah oui, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille se coucher. Il faut qu'on aille se coucher. Et quand on se couche, et ben, c'est bien. Donc là, il y a un truc qu'il faut qu'on sache aussi, c'est. Attends, c'est porte ou porte sud. Il y a un truc qu'il faut qu'on sache aussi, c'est la raison véritable de cette fameuse capture, parce que l'Empire nous a pas forcément dit la raison. On sait maintenant que c'était pour la théromite, parce que la théromite vaut très cher, mais rien de plus, tu vois, rien d'extraordinaire. 150, vas-y. Ah oui, ça c'était cher. Agréable. Laisse-moi en être juge, mon ami. Ou pas. Bah ouais. Donc, revenez quand vous voulez, moi je suis pas sûr de revenir, vu le prix de ta chambre. Qui est... un porc sauté. Notre oui, du porc sauté. Non, c'est pas pour vous dire, hein, mais chez moi il est très tôt là pendant que je fais la vidéo. Donc le parler de porc sauté, ouais, très très tôt. Non, non. Donc là on a 250 PE. Ce qui est quand même largement mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir... Et on va re-rentrer dans la base de commandement. Parce que si j'avais bien vu, parce que je crois que je m'étais aventuré et puis j'avais su que la base était à gauche dans la base de commandement. À droite, quand tu montes tout en haut, tu vas sur l'aire de lancement. Et à gauche, je crois que c'est la prison. On va savoir ça, on va savoir ça. Je crois que c'était dans la vidéo précédente qu'on avait su ça. On va découvrir ça ensemble. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est par là? Donc c'est par là. C'est là, c'est bien là. Voilà. On y est. Il y a un truc à gauche qui scintille, un truc scintillant qui brille. Souvenir rempart. Donc là on est là, d'accord. Là il y a rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Ok, on était nul. Il y avait un coffre sur la gauche. C'est bien là. Tu vois, je voulais être sûr de moi. Donc nous, on va aller tout droit, on va aller à prison. C'est la prison. On nous laisse. Attention. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Comment ça, on n'a pas le droit d'être ici? Il doit préparer un truc. De pour lui, je suis presque sûr que c'est pas prêt. Du coup, l'escalier est juste derrière. De quoi? Attends. Il doit préparer un truc de plomberie. Je suis presque sûr que c'est près du haut des escaliers juste derrière. C'est près du haut des escaliers juste derrière. Pourrait être... T'approches pas. Waouh, c'était dur à comprendre sa phrase à lui là, dis donc. Alors attends, truc de plomberie. Ouais, d'accord. Ah! Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut. Attends, il y a un truc là. 30G. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas se mettre en exomec, donc ça c'est mort. Un truc de plomberie, qu'est-ce qui parle de plomberie? Juste derrière la porte. On pourrait être ici. Mince, qu'est-ce que je dois faire là? Un truc de plomberie, il a dit un truc de plomberie juste derrière la porte. C'est pas là. Qu'est-ce que ça peut être? On va essayer d'aller à droite. Il n'y a pas grand chose, donc... Attends. Voilà, bah d'accord. Bah c'est très long, le montage. Le montage de ce... Alors, ça non plus.
Donc là, on retourne. Voilà, c'est ça, on retourne au début. Ah. Alors, bip 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 bip. Il ne dit rien de plus. Mince, je suis pas. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que là, on peut pas sauter. Hein. On peut pas sauter, non, on peut pas sauter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vois pas du tout. Je le dis franchement. Attends, je vais lui reparler. Il doit préparer un truc de plomberie. Je. Mince. Ils doivent réparer un truc de plomberie. Je suis presque sûr que c'est près du haut des escaliers, juste derrière. Près du haut des escaliers, juste derrière. Ok. Un truc de plomberie, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que je vais lui demander, tiens. Analyse, pas rien, c'est allongé par une journée. Je ne dirais pas sur lesquels les trucs, je suppose. Bon, rien, ouais. Oui, tiens. On n'a pas quelqu'un de super, faites-nous signer. Ce que t'as à nous dire, toi. Un truc de plomberie, tiens, il y a des. C'est des aérovols, ça. Hein. Bizarre, ça, je peux pas. Un truc de plomberie juste en haut des escaliers. Je vois pas. Ah! Je vois pas du tout ce que ça peut être. Mince. À moins que. Je peux descendre ou pas là? Je sais plus moi si je peux descendre. Ouais, mais ça nous aide pas en fait. J'ai envie que vous avez. Ouais, ça va être fier de vous. Non. Je vois pas. Non, c'est pas par là, c'est pas par là. Je te dis qu'il y a un truc à faire, mais alors l'autre il nous dit qu'on est venu pour aider les plombiers, mais je vois rien moi. Ah, 40G. Ça va pas nous aider, ça, hein. Alors, attends. Y'a rien, je vois pas de... Tu sais, plomberie, je vois pas de... Qu'est-ce que vous avez? Vous avez été... C'est pas l'héros du jour. Peut-être, mais en fait, on est sélectif, tu vois. Tu sais où sont les prisonniers qui sont enlevés? Bien sûr, ils ont fait la prison. Enfin, il paraît, Saint-Saint. La prison, c'est où? Juste derrière le quartier général. Les ont jetés dans ces trous à rats de ce tour. Bon, avant d'en parler, tu penses qu'on peut nous passer? Tiens, j'en doute, fiston, c'est pas eux qu'on dépienne les soldats? Elle n'a pas le droit au visite. Il doit être un petit coup dans le nez. Merci quand même. Il va pas nous aider, lui. Donc la prison, c'est bien par là, d'accord. Donc ça d'accord. Il faudrait peut-être lancer le truc ou je sais pas. Je vois bien à votre tête que vous êtes déterminé. Vaut mieux vous laisser tomber. La prison de l'armée impériale, il y a fort à parier que c'est une forteresse. Ça m'ennuie de l'admettre, mais Van n'a pas tort. C'est trop dangereux d'essayer de s'introduire dans un bâtiment militaire. Militaire, pardon. Si seulement il y avait un moyen. C'est dans des moments pareils que la nuit serait utile. Dommage que cette terre n'en ait pas. La nuit, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose qui existait à la génération précédente. La lumière laissait périodiquement la place à l'obscurité. Cette période d'obscurité s'appelait la nuit. Vous dites crépuscule dans cette ère. Ah, d'accord. Un moment qui précède la tombée de la nuit. Alors, la nuit, c'est le moment où la lumière disparaît. Pour se finir dans la prison sans se faire remarquer. D'accord. C'est sûr, sans lumière, ce serait plus facile de passer les gardes. Enfin, c'est bien joli ces vieilles histoires de nuit. Mais je ne vois pas comment elles peuvent nous aider maintenant. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, une expression particulière, dans le jeu, à l'époque où nous faisons notre jeu, il n'y a plus de nuit, c'est bien ce que j'ai compris. On n'est pas un peu occupé à trouver un moyen d'entrer dans la prison, là? Moi aussi, vous vous souvenez du petit pétrole qu'on a rentré à l'auberge ce jour-là? Vous ne parlez pas de trucs genre anciens et histoire? Ah oui, qu'il faisait des recherches sur quelque chose. C'est la nuit. Ah, je vois que t'es le genre de personne qui voit grand, lui. On ramène la nuit dans ce monde, c'est ça? Bon, jusqu'à que quelqu'un propose autre chose, pourquoi pas, ça mange pas de pain, d'essayer. Ok. Bon. Alors, il faut... j'imagine qu'il faut retourner sur nos pas. Alors, attends, je sais pas où il est. Ah. Il n'y a pas 36 maisons dans la porte sud. Il n'y a pas 36 maisons.
Et je pense... Ah, je pense pas, je suis pas sûr de savoir, mais il y a une maison sur la gauche qui est inhabitée. On va aller voir ça. Attends, c'était où? C'était celle-là, je crois. Voilà. Ah. Alors, quoi, si c'est pas... C'est quoi, c'est mon rôle? Y'a rien. Pourquoi il y avait un point d'exclamation ici? Tu vois? Ah, mais c'est d'accord, c'est la mamie. Franchement, je l'avais même pas vu. Oh là là, au secours. Au secours. Donc c'est pas là. C'est pas là. Si c'est pas là, est-ce que c'est... Il y en a peut-être d'autres plus loin, on va voir. Hop, hop, hop. Des trucs sympas, 50G. Alors... Ah. Non, c'est pas par là. On va aller par ce passage-là, tout un truc. Une maison de je ne sais quoi. Ou alors on va aller ailleurs. Tiens, hop, il y a une maison là. Enfin, j'ai pas pensé à celle-là. Est-ce que ça pourrait être... Ah bah tiens. Flago, bon Telvin, mauvaise surprise, j'ai pas souvent de visite. Vous intéressez à mes recherches, hein? Comme c'est rafraîchissant. J'étudie la relation entre cette mystérieuse colonne et le phénomène de disparition de la lumière. En fait, monsieur, c'est exactement ce sujet dont nous voulons parler. Alors, vous êtes des collègues archaïcologues. Je ne rencontre pas souvent des confrères de recherche antique et antédiluvienne. Posez vos questions, mes amis, je suis à votre disposition. Vous pouvez prendre les articles de recherche et les livres qui prennent la poussière sur mes stagiaires, d'accord. Bon, alors... Bonne porte, d'accord. Si vous voulez mon avis, on ferait tout aussi bien d'aller voir la voyante du coin. Pas sûr, puisque au baron déjà cherche. Voyons voir, qu'est-ce que ça raconte? Oh! Qu'est-ce qu'il a trouvé? On dirait qu'il a vu juste avec ses recherches, voyons. Cette disparition de la lumière dont il parle doit être la nuit. D'accord. Et cette mystérieuse colonne, c'est sûrement la colonne de spirit du temps. Ah! Les colonnes de spirit sont d'immenses piliers à l'origine de toute vie et de toute énergie, ok? Vous pouvez les voir comme des artefacts incroyables, complexes. Il y en a 8, feu, eau, air, terre, divin, ténèbres, temps et foudre. La colonne de spirit du feu, par exemple, est la source de tout le feu dans le monde. Il en va de même pour la colonne de spirit du temps, qui est la source du temps, et c'est ce phénomène de disparition qui lui a fait perdre sa puissance et nous a privé de la nuit, je vois. Ces recherches sont incroyablement poussées. Quelle intelligence! Kanata, je te suggère de lire ça aussi. Son travail t'apprendra beaucoup. On n'a pas le temps. Si le chercheur avait entendu au baron, il serait fou de joie. Et au baron a vécu à cette époque. En plus, si le chercheur savait qu'il connaît les réponses à toutes ces questions, on a intérêt à empêcher au baron de dire quelque chose qui le trahirait. Bon. Donc il faut, j'imagine... Attends. Est-ce que... Attends. Ok. Donc là, on s'en fiche un peu. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse, tu sais, les fameuses tours, là. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse une. Malheureusement, j'ai plus de place. Tu vois, des fois, je me dis, je pourrais bien en garder des places pour faire de nouvelles spirites. Enfin, nouvelles tours de spirites. Parce que ça s'appelle comme ça. Parce que là, tu vois, il va falloir que j'en détruise une pour en faire une autre. Donc là, attends. Ah, fouillons la... Ah, il faut fouiller la résistance de l'érudit. D'accord. Alors, hop. Ah. J'ai eu... Direct. Ok. Continuons à chercher encore un peu.
Souvenir, crépuscule. C'est au même endroit là. Ah, c'est peut-être un truc par étagère. Il y a une quoi qui correspond à rien, attention. Colonne. Alors je pense que c'est. Ah, oui, j'ai trouvé. Il y a une colonne. Une bâtisse en bas à gauche de la capitale. Et on peut pas y accéder. Donc. Non, bah je crois que j'ai tout. J'ai trouvé que deux. Ah, il y a une autre. Ah. La diversification du monde naturel, les formes de vie subsistant exclusivement sans lumière ont émergé puis disparaissent à son retour. D'accord, donc ça c'est bon. Là c'est bon aussi. On va aller là. Non, c'est la même, mais on n'a pas d'autre. Ah non, j'ai tout cherché là. J'ai été partout. D'accord. Ah, celui-là, j'ai pas fait. Comme si je l'avais pas vu. Mais alors là. Bonne question. Un peu moins comme si je l'avais pas vu, d'accord. Ah, il y a peut-être l'autre avec les cartons. Non. Alors, il n'y a plus. Peut-être sur le nez, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, parce que on peut pas tourner. Ah non, c'est la même, c'est justement la même chose en fait. Continuez à chercher encore un peu. Bah... là, vraiment, c'est niet, hein, y a rien. Non, c'est la même chose, c'est dans le coin. On va voir à l'étage. Peut-être qu'à l'étage, quelque chose. J'ai pas fait attention, mais je vois. Ah. Tu vois? Non. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Là, y a rien du tout, là. Y a rien du tout. Mince! Bon, alors là, c'est pareil. Non. C'est en fait, comme tu vois pas où est-ce que tu... où ça vise pour avoir le point d'exclamation, en fait, tu vois, c'est ça qui est dommage. Ok. Continue de chercher encore un peu. Ah. Selon mes sources, la perte de lumière existait. Voilà, d'accord. Pendant l'âge du cuirassé. Donc il avait raison, papy. Le papy chercheur. Pourrait avoir été développé en réaction à cette menace, c'est une théorie à ne plus exclure. Nous en avons beaucoup maintenant. Je devrais peut-être demander à l'érudit. Souvenir de lui, d'accord. Alors, juste par ton intuition, tu apprécies ces récits. Hein. Alors, tu es un fan d'histoire. Dans ce cas, laisse-moi te parler de mes plus récentes découvertes. Ah. Alors, j'ai découvert que la disparition de la nuit, enfin la lumière, pardon, avait un rapport avec cette colonne de spirit bizarre. J'ai consulté mes vieux grimoires et il semble qu'il y ait eu d'autres objets perdus dans le passé. Mais ce n'est qu'une colonne, une simple colonne. Peut-elle faire tout ça? Une réponse, j'en ai pas. C'est exact, il n'y en a pas qu'une. Il y a d'autres colonnes... Ah. Mince, j'ai pas eu le temps de... Alors... Ok. Créer un souvenir, voilà. Voilà. C'est génial, un nouveau souvenir. C'est en tout cas la thèse que j'aurais dit en ce moment. D'accord. Je vais la lire dès que je pourrais. Tu as passion, n'est-ce pas? Oui. Souvenir aube. Donc je pense que... Là, j'ai les quatre. Je pense que voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour la suite. Et on va essayer de voir ça. Parce que là, puisqu'on a, on a la totalité des souvenirs, on peut, je pense, faire apparaître cette fameuse tour, colonne, je sais pas,
Qu'est-ce qu'on attend avant de voir cette colonne du spirit du temps? Après toi, Lumina, il semble que la colonne du temps est au sud-ouest de la capitale, c'est ce que je disais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est dans une cabine téléphonique, oui, c'est sûr qu'on peut pas aller bien loin. La fameuse tour du temps. Donc on va sortir de la capitale et puis partir. Ah non, c'est là, à gauche. Partir directement de la ville. On n'a pas fait grand chose. Mais c'est un jeu qui. J'ai vraiment l'impression qui est plus centré sur le mode histoire, le côté histoire, que sur les combats et ainsi de suite. Ah, c'est pas déplaisant, ça va, ça change. Un petit RPG plutôt. Un peu shovel novel, hein, plus côté raconte, explique, partage, tu vois. C'est plus, je suis plus dans ce style-là. Voilà, la fameuse tour. Alors, ah bah on a tout, hein, ça c'est clair. On utilise des souvenirs, allez, c'est parti. Donc là, il va faire nuit. Attention, il va faire nuit. Donc on va avoir peut-être. Alors je sais pas si on va avoir un cycle jour-nuit. Pas sûr, mais ça pourrait être sympa. Alors attention, qu'est-ce qu'on. Bien, tu l'as restauré. Tu as réussi, Kanata. Maintenant, touche et active la colonne de spirit du temps. Il faut la toucher. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ben. La colonne de spirit du temps est emplie de l'énergie des souvenirs. Le pouvoir scellé de Primordium s'est réveillé. Vous pouvez maintenant utiliser le gilet enchanté. Alors, à propos du pilote modèle gilet enchanté. Le pilote modèle de l'exomec de Obaro active les compétences d'Obaro directement sur son exomec. Ce qui lui permet d'utiliser de la magie complexe plus puissante que les compétences elles seules. En activant le gilet enchanté, vous améliorez vos autres compétences. Elles ont plus de chances de toucher le point faible de la cible. D'accord. Le lien avec Fabulesco Judgment a été débloqué. Nouvelle connaissance d'artefact obtenue Primordium. Les effets d'artefact étendus. D'accord. Donc là, on va avoir un cycle. Voilà, on a le cycle. C'est génial. C'est fabuleux. Je vois plus rien, ça a vraiment marché, on est projeté dans le noir. C'est donc ça la nuit, je vois. Enfin non, je vois pas, justement. C'est ça, voyez, voilà notre nouvel ami. Je pense qu'on devrait pouvoir rentrer dans la prison maintenant. Donc on continue sur cet esprit de sauvetage. Bon, allons-y avant que la lumière revienne. Donc on n'a pas... J'ai pas de temps à proprement parler. Mais il nous a dit de nous dépêcher. Attends, je vais juste récupérer ça. Un pourceau. J'ai vu du bleu ici, voilà. Le bleu, c'est les souvenirs, voilà. Le jaune, c'est les trucs un peu banals, et les bleus, c'est les souvenirs, et les violets, ce sont les violets, ce sont les tours que l'on peut fabriquer grâce aux souvenirs, enfin faire apparaître plutôt grâce aux souvenirs. Donc la base. La musique est géniale. Alors, on peut descendre par ici. Voilà, on va descendre directement par ici. On va pas faire le tour. On va pas s'embêter avec ça. Là, je pensais qu'il fallait trouver quelque chose à faire, c'est fabriquer un. Je lui parlais de réparer quelque chose. Je sais pas quoi, un truc de plomberie, je sais pas quoi. Bon, bref, là, on voit rien. Mais rien du tout. Ah ouais, c'est fou, hein. Alors, là-bas on peut entrer. Tu veux qu'on passe à côté de ces gardes, mais comment? Tu as la frousse, Lumina, tu peux toujours rester là et nous attendre si tu veux. Ça va pas la tête, et depuis quand t'es le garde du corps de Kanata, toi? Au moins je suis pas sa nounou. Ah, bien envoyé ça. Ça suffit tous les deux, on perd du temps, j'y vais tout seul s'il le faut. Mais Lumina a raison, je pense pas qu'on puisse entrer comme ça. On doit distraire les gardes d'une manière ou d'une autre. Une distraction, ça devrait faire l'affaire, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Qu'est-ce que c'est? Vite, les gars. Ah, tu as fait ces choses. C'est comme ça qu'on me remercie d'ouvrir la voie. Allez, on y va, c'est notre seule chance. Allez, vite, on récupère
ça, hop, hop, on est rentré. Attention, il faut trouver où rentrer maintenant. Je veux bien. Attends, il y a un coffre. Gilet camoufleur, bravo. C'est une porte ça ou c'est pas une porte? Non, c'est pas une porte. Ah, on voit strictement rien, hein, je te le dis, hein, c'est horrible. C'est horrible. Ah, là, on est rentré, on va arriver, donc voilà. Bon, bah, les amis, en fait, on va en rester là. On va en rester là parce qu'on ira dans la prison dans la prochaine vidéo. Oui, les amis, on ira en prison dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à me retrouver tout de suite après cette vidéo, les amis. Et on va parler des Séléniens et on va parler de l'Empire. Allez, à tout de suite. Oui, les amis, on a affronté leur prêtresse guerrière. Et on a réussi à faire tomber la nuit sur ce monde qui n'en avait plus, comme je le disais en début de vidéo. Et c'est vraiment incroyable. Ce monde a vraiment totalement changé par rapport à ce que Oberon a vécu. Si j'ai bien compris, le peuple des cuirassés a été perdu, mais pour une cause. Quelle est la cause? Ils sont pas morts comme ça. On les a pas éradiqués. Ils ont seulement disparu. Mais à cause de quoi? À cause de qui? J'ai vraiment hâte de le savoir, les amis. Hâte de le savoir. Même le scientifique qu'on a vu, hein, qui nous a appris plein de choses et dont lequel on a été fouillé dans sa bibliothèque, recherche ardemment le pourquoi du comment les cuirassés ont disparu. Il y a quelque chose qui s'est passé avec les cuirassés. Attends, on a quand même trois peuples. Il y a les cuirassés, hein, qui ont disparu, avec leur exomèque qui reste, enfin, beaucoup je pourrais pas dire, mais il en reste quelques-uns. Il y a les Séléniens et il y a les humains. Ça fait trois peuples. Alors je sais pas s'ils ont déjà cohabité ensemble, s'ils ont vécu ensemble, je sais pas. Mais d'après ce que je comprends, c'est que les cuirassés ont seulement cherché à être plus forts grâce à leur guerre. Ça fait penser un peu, tu vois, à des guerriers qui cherchent à faire de plus en plus de guerres pour justement montrer leur supériorité, tu vois. Parce que, aussi bien physique que militaire, je pense. Parce qu'ils ont créé des exomèques. Donc, les amis, je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo, car j'espère qu'on va en savoir plus. Déjà, dans la prochaine vidéo, on ira en prison. Ah ouais, bah ouais, ouais, on ira en prison. Et on ira sauver les Séléniens qu'on a capturés, malheureusement. Ok? Allez. Donc, voilà, les amis. Je vous invite pour la prochaine vidéo. Hein, sur la sphère, et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.